plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance. Et puis, on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. C'est le moment de l'hymne national de l'Irlande. National. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Comment ne pas penser à Karim Benzema? Il peut marquer d'à peu près n'importe quelle position, c'est impressionnant. Il sait tout faire. Mais en plus, il a un très bon sens collectif. Il prend beaucoup de plaisir à se mettre au service de ses coéquipiers. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. L'arbitre donne le coup d'envoi. La France qui peut avancer. Allez. Oh, très bon ballon. Il est tout seul. Attention au centre. Bien, bonne intervention. Griezmann. Griezmann. Bonne intervention défensive. Rabiot. Dans la boîte, de la tête. Ils s'en sortent. Ouais, il peut choisir de centrer. La tête. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Quel centre, mais quel centre, et forcément... Derrière, c'est plus facile. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Longue passe vers l'avant. Sur l'aile gauche, et il a du soutien. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Le ballon dans la profondeur. Un très long ballon. Ballon intercepté, ça soulage la défense. L'Irlande adopte une tactique bien connue là. Ah oui? Dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire. Forcément. C'est joué long, attention. Il allonge le jeu. Il y a danger. Ça va sur l'aile. Il s'impose physiquement dans ce duel.
L'Irlande qui essaye de construire. Il frappe. Lloris, la parade exceptionnelle. Et l'arrêt est magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Donc il va vite sur ce côté. Il s'échappe côté droit. Il tente de la jouer dans l'espace. Il déclenche son centre. Bien, un peu de répit. Ça passera sur le côté. Rabiot. Benzema qui rejoue derrière. C'est joué. Dans... La frappe, attention! C'était presque au fond. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Griezmann qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Griezmann. Hernandez qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il prend sa chance. Oh, c'est un arrêt important ça. Ah oui, superbe. Ce sera le premier corner du match. Oh, la tête! Oh, pas de chance sur ce coup! Il va au duel. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, l'intervention de Varane. Raphaël Varane. Ça joue long vers l'avant. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Raphaël Varane. La France est vraiment bien rentrée dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Rabiot. C'est centré. Dans quelle détente! Oh, il avait tout senti! Quelle parade! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Il joue en profondeur. Pogba, il a de l'espace. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il centre. Ça manque un peu de précision. McLean qui écarte le jeu. On peut y aller. Oh, la main ferme. Il cherche la profondeur. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il allonge le jeu. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Oh, le duel. Hernandez. Mbappé. Mbappé. La parade, magnifique. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Vers Benzema, le bon dribble. Oh, c'était dangereux, quel geste! McLean. La passe en retrait vers son défenseur. Duffy. Il a choisi de jouer long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il relance côté droit.
Hernandez qui est récompensé de son pressing. Oh, Benzema. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il cherche ses attaquants. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première période? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats, et surtout le nombre de tirs. La France, qui est donc devant, à mi-parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit bout. La seconde période a donc déjà débuté. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Benzema! Oui, c'était puissant! Danger repoussé pour le moment. Quelle solidité! Oh, la frappe! Pris au piège du hors-jeu. Le gardien loin devant. Pogba. Griezmann. Kanté. Il allonge vers l'avant. Bien, la profondeur. Il ne se pose pas de questions. Hernandez. Griezmann. Oh, le bouge. Griezmann. Oh, ça, c'était cadré, c'était cadré. Adeline. Il décide d'allonger le jeu. Beaucoup de déchets techniques dans les passes aujourd'hui. C'est bien joué. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. La bonne passe. Quel timing dans l'interception. Dans l'espace. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Pas mal ce tacle. Hernandez. L'Irlande qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Dans la profondeur, il a centré, la frappe. Un long ballon vers l'avant. Lang, c'est pour lui, attention. Avec McLean. Kanté. Hernandez. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Avec un peu plus d'efficacité, ils auraient déjà fait le break. La longue passe. Un bon centre. Il met la tête. Non, non, ça ne passera pas. Changement, ou plutôt double changement, car les deux équipes font entrer du sang frais. Il renverse, c'est bien fait. C'est joué long. C'est bien intercepté. Le ballon dans la profondeur. Il cherche à le servir. Et la tête! Ça passe à côté d'un rien. Et ben donc, c'était chaud. L'Irlande qui procède à un autre changement.
Fernandez. Griezmann. Le jeu repart vers la droite. Il la remet. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Pogba. Il prend sa chance. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. Ah non, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. La France qui effectue donc un nouveau changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Pogba. Hernandez. Pour que ça va partir vite. Ce sera une touche. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Pogba qui récupère ce ballon. Ça peut être extrêmement dangereux. Et ce ballon sur l'aile, il a du champ sur le côté. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. C'est joué long. C'est bien donné. Il est bien placé. Il met le ballon dans la surface. Un centre trop long, ça ne donnera rien. Tolisso. Oh, le petit ballon piqué. Dans la profondeur. C'est joué dans la profondeur. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Il change complètement de côté. Hernandez. À l'opposé. Il cherche la profondeur. Dembélé reçoit le ballon. Dembélé en retrait. Griezmann. Quelle parade! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Le long ballon à l'opposé. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Oui, il peut frapper là! Ils ont pris des risques, ils sont récompensés, que c'est beau! Quel opportunisme quand même! Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Ça joue long. Le centre devant le but. Le bon dégagement. Nouveau centre. Il va être trop court pour le récupérer. De l'avertir. Le bon ballon. Oh, voilà le
coup de sifflet final. C'est fini. Ils se sont neutralisés aujourd'hui, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.